On vient maintenant sur les propos controversés, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un joueur de la NFL, des propos qui ont énormément circulé cette semaine. Olivier, la Ligue nationale de football vient de se dissocier du discours de Harrison Butker. Oui, ce sont des propos qui ont été faits par le botteur des Chiefs de Kansas City lors d'une cérémonie de remise de diplôme dans un collège catholique américain. Des propos qui étaient, bref, un discours à saveur très religieuse qui visait surtout à dénoncer les leaders qui se disent catholiques, mais dont les actions ne reflètent pas vraiment ces valeurs traditionnelles-là. Mais ce qui a choqué surtout, ce sont euh, ses propos sur les personnes LGBT. Lui qui a parlé du mois de la fierté comme étant dédié à des péchés mortels. Euh, ses propos sur les femmes aussi, Raymond, dont leur place est au foyer, selon lui, la NFL, qui a dû sortir et dire que ses opinions-là ne sont pas celles de l'organisation. On va écouter d'abord quelques extraits de ce discours. « Not the deadly sin sort of pride that has an entire month dedicated to it, but the true God-centered pride, as I think it is you, the women, who have had the most diabolical lies told to you. Some of you may go on to lead successful careers in the world, but I would venture to guess that the majority of you are most excited... » Alors Raymond, ça, ça a soulevé l'ir de plusieurs internautes dans les dernières heures, dans les derniers jours. Des pétitions comme celle-ci là qui circulent. Ici, il y a plus de 180 000 personnes qui demandent à ce que euh, le botteur des des Chiefs soit renvoyé. Ça fait aussi réagir chez nous. Ça inquiète entre autres un représentant d'un organisme dédié euh, au, euh, à la défense de la diversité. On va écouter un extrait. C'est le peu de nuance dans ses propos, puis c'est quelqu'un qui a une immense tribune, donc il est écouté par beaucoup de gens qui l'écoutent, qui le voient comme un modèle. C'est surtout ça qui est dangereux. Il dit ben s'il pense comme ça, j'ai peut-être aussi le droit de penser comme ça. L'a dit Raymond, c'est un discours qui trouve écho chez plusieurs personnes. Là. Et puis, ça, ça, ça se, se remarque quand on regarde la vente de chandails dans la, dans la NFL. Le chandail d'Irison Butker, qui est maintenant parmi les plus vendus parmi les chandails de la Ligue, même devant euh, celui du, euh, du carrière-étoile des Chiefs, Patrick Mahomes. C'est quelque chose quand même. Merci, Olivier. Je vous en prie. Au revoir.